Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réaction. Réaction, aujourd'hui nous sommes le 6 juillet 2024. Mesdames, demoiselles et messieurs, permettez-moi encore une fois de plus de saluer nos amis qui sont à Kalemie, nos amis qui sont à KCC en Ouganda, nos amis qui sont à Djouba. C'est très surprenant que nous soyons suivis même jusqu'au Soudan. Les amis qui sont à Kinshasa, les amis qui sont à Bukavu, à Goma, à Kigali, nous sommes pratiquement très contents d'avoir de vos nouvelles, surtout lorsque vous nous appelez pour nous demander, nous poser des questions ou vous voulez peut-être discuter sur les solutions que nous sommes en train de parler ici à Contact Pro Live. Je suis très ravi, ça me va droit au cœur que vous vous intéressez. Mais une chose que je vous demanderai, mes chers amis, c'est de réagir dans les commentaires de nos vidéos ou pratiquement aimer les vidéos, partager les vidéos, parce que cela donne du poids à nos vidéos et ça nous permet aussi à ce que nous puissions sécuriser nos contenus, c'est-à-dire ce que nous parlons ici pour qu'il soit propagé, pour que nous puissions quitter le média intellect ou bien des élites à être un média de masse. Et pour cela, c'est pour justement véhiculer cette idée-là, c'est cette idée-là que nous développons ici, l'idée de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Je suis encore très content parce que vous étiez nombreux et vous êtes toujours en train de vous abonner. Je suis satisfait de ce que vous faites. En tout cas, ça montre que nous avons une audience et que nous ne parlons pas dans le désert comme certains d'entre vous qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons. Vous dites que nous sommes un média, un petit média. Oui, notre objectif, ce n'est pas d'atteindre tout le monde en même temps, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que nous parlons ici. Nous sommes vraiment contents parce que vous réagissez, c'est-à-dire que vous nous suivez. Et vos oppositions à ce que nous disons ici nous permet aussi à affûter et continuer à arranger peut-être ce que nous disons, et ça nous permet aussi de nous améliorer dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi encore une fois de plus? Nous allons parler encore une fois de plus de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, qui est une solution globale au problème de la République démocratique du Congo. Dans notre média ici, je vais vous rappeler une chose, que nous ne sommes pas de médias de dénonciation ou d'information, ou vous informer ou quoi que ce soit. Nous regardons dans le futur, nous nous inspirons dans le passé pour corriger ce qui est présent aujourd'hui. Nous allons vous parler encore une fois de plus de notre pensée qui va dans le sens de la rétrocession, de comment solutionner le pouvoir. Disons, comment, pas saucer, couper ou quoi que ce soit, c'est la solution globale de notre pays. C'est par là qu'est fondée notre réflexion. La constitution de toutes ces histoires-là. Et nous le mettons en place pour que nous puissions vous apporter une solution que nous pensons qu'elle pourra résoudre finalement le problème que nous avons, le problème fondamental de notre pays. Voilà ce qui va nous réunir ce soir, pour ceux qui nous suivent ce soir, ou cet après-midi, ceux qui vont nous suivre cet après-midi. Donc nous allons tourner tout autour de ça, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, et nous allons vous expliquer comment est-ce que nous pensons que quand nous rétrocédons le pouvoir et comment nous allons les rétrocéder, ça permettra de résoudre toute une litanie de problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous allons développer le sujet dont nous vous avions parlé. Voici les grands titres à la une des journaux qui apparaissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-note.com. RDC, ce que devraient faire les députés nationaux pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. 60 jours accordés aux entités utilisant la main-d'œuvre étrangère. Et puis Tshisekedi écrit au Burundi Ndayishimiye.
Actualité.cd, assainissement de Kinshasa, Daniel Bumba donne des instructions à la société turque Albakaratk pour la réussite des opérations coup de poing. Affaire de coup d'état manquée après les interrogations de deux prévenus, l'affaire est renvoyée au 8 juillet. RDC Loubert aux deux condamnations ce vendredi à l'audience des militaires poursuivis pour fuite devant le M23. Congo profond, Kibali Goldmine entre le de consolider les acquis de Doko et construction de nouvelles mines. Et puis 49e assemblée parlementaire francophone, un bras de fer entre la RDC et le Rwanda via le secrétaire général de la francophonie. Le destin, notre agent de voyage mystérieux, ça c'est Kamere. Nous sommes à 7 sur 7. Jacquemin Chabani recommande au chef de police et de sanctionner sévèrement tous les policiers coupables d'actes de vente, d'actes d'antivaleur. Et puis le stade de Martyrs menacé par une nouvelle fermeture par la CAF. Itour, ici chinois tué par la milice Codeco à Djougou. Radio Okapi pour terminer, sans cours, au moins 700 ménages sont sans abri dans le territoire de Loubefou. Inspecteur général publie le chronogramme de processus de publication des résultats des examens d'État. Goma, les milliers de déplacés vivent dans une grande précarité. Et enfin, plaidoyer pour la tenue d'une conférence de haut niveau sur la paix en RDC. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc merci encore une fois de plus d'avoir ouvert cette vidéo parce que peut-être le sujet vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus. Alors, en faisant le browsing, ce qui m'enchante aujourd'hui, c'est que certains de partis politiques en République de démocratie du Congo, commence un peu à réfléchir profondément parce que Batiki Makamboaba Loyenge, Batiki Makamboaba Yakoluka, pouvoir pour le pouvoir, ils commencent à réfléchir sur des solutions et les solutions qui vont dans le sens dont nous parlons ici depuis 2019. Et cela m'enchante encore beaucoup parce que je commence à comprendre que le Congolais, nous avions fait quand même un pas. Je crois que ce parti politique dont je vais vous présenter, l'homme que peut-être vous aviez vu dans la miniature de cette vidéo, qui a parlé de quelque chose et ça m'a beaucoup émerveillé en disant, voilà que nous commençons maintenant à sortir de cette auberge-là où pratiquement les partis politiques sont des partis qui se vertuent à conquérir le pouvoir. Ici, je parle de qui? Je parle d'une émission qui a été suivie, beaucoup suivie, sur Politicon de notre frère, notre ami Jean-Pierre Kayembe, Politicon, et il recevait à ce fait le porte-parole du mouvement Parti politique Ensemble. J'ai été émerveillé parce que voilà quelqu'un qui sort de l'ordinaire, il sort pratiquement de toute cette cacophonie de dénonciation, de s'évertuer en se disant le pouvoir, on a les élections et tout ça. Il réfléchit sur quelque chose de fondamental. Il réfléchit sur quoi? Il donne une solution. Ça, ce sont ses paroles. Vous allez les suivre. Nous allons vous donner une petite extrait ici où vous allez les suivre et nous allons développer ça dans le sens où nous parlons ici du développement de notre pays au niveau de la base. C'est-à-dire, lui pense qu'il faudrait que nous puissions avoir des États qui seront confédérés dans la République démocratique du Congo. Ça s'est fait ailleurs, bien sûr. Ça a réussi ailleurs pour essayer un peu de remettre de l'ordre dans le pays. Et moi, je vais vous dire qu'est-ce que nous allons faire dans la rétrocession et le schéma par lequel nous pouvons y arriver. Suivons d'abord Hervé Diakese, qui développait c'est cette solution-là qui propose maintenant à la République démocratique du Congo, qu'il propose et qui va vraiment dans le sens de la rétrocession du pouvoir où le peuple va s'accaparer du pouvoir afin de la contrôler et afin de pousser les choses vers la différence ou le changement
que tout le peuple congolais attende en République démocratique du Congo. Suivons Hervé Diakese et nous allons commencer un peu à partir de ce qu'il a dit, vous faire voir le parallélisme qui existe entre la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et ce que lui prône comme solution. Suivons Hervé Diakese. Comportons-nous en adultes et en responsables. Nous revenons, le pouvoir appartient à la base. Le peuple est souverain. Vous voulez l'unité nationale? Nous aussi, nous voulons l'unité nationale, mais pas au détriment des développements de nos États. Donc désormais, chaque province devient un État souverain, mais au sein d'une confédération. Et là, vous dites ceci, on touchait, mais on changeait les constitutions. C'est ce qu'on va faire. Puisque nous leur disons, respectons au moins les compromis qu'on avait. Je vous ai donné les raisons des compromis. Alors, laissez-moi donner les propositions aussi. Oui, allez-y, parce que... Donc, quand vous voulez dire les compromis, on rentre dans l'antenne. Chaque État va désormais fonctionner comme un État souverain au sein d'une confédération qui restera la République démocratique du Congo. Le président va être élu au second degré. Pas de problème. Tous les présidents des fédérations choisiront. Hein? Qui deviendra président de la Confédération, qui sera en charge d'aller nous représenter à l'étranger, mener notre diplomatie, garantir l'unité nationale. Ça va même se faire par rotation. Après 5 ans, on choisit encore dans une autre province, etc., jusqu'à ce qu'on revienne. Ils ont 10% des recettes, ils peuvent fonctionner. Il y aura une cour confédérale pour les arbitrer les conflits entre États fédérés. Mais chaque État gère ses ressources, entretient des collaborations. Ça va être très facile, par exemple, d'entretenir une collaboration interétatique sur la voie ferrée qui va du Katanga vers la Zambie, qui descend au Kasaï, qui va au Maniema. Et puis après là, c'est la voie fluviale qui intervient. On collabore avec le Congo central pour le barrage Inga à Katanga ou autre. Et les entités, le Kivu va aussi être dans un grand pôle interfédéral. Ils travaillent déjà. Tout ça, une voie ouverte pour balkaniser finalement. Alors soyons sérieux. On vous dit que même le compromis que nous avons, c'est un compromis bâtard, mais que les gens ont accepté au nom de l'unité, de la paix. Vous le passez outre parce que vous voulez juste vous éterniser au pouvoir, sans résultat. Donc en fait, nous sommes des otages, de sorte d'esclaves dans un pays, condamnés à rester en permanence, à subir l'incurie des dirigeants au niveau national, qui en plus veulent se perpétuer en permanence. Nous sommes citoyens congolais, nous sommes dans les frontières du Congo, parce que c'est cette constitution qu'il a déclarée. Nous revenons d'une guerre, nous revenons d'une balkanisation. Nous avons trouvé un compromis. Et on vous dit, cette constitution n'est pas parfaite, mais elle a eu le mérite de résister, elle a déjà connu 2 mandats présidentiels, elle a donné une alternance, elle a connu des élections chaotiques, mais elle résiste parce qu'elle a des dispositions verrouillées qui créent l'espoir. Et vous décidez que pour vous pérenniser au pouvoir, vous allez tout faire sauter, vous racontez des mensonges, des carabistouilles, c'est la constitution des belligérants, et vous voulez qu'on vous accompagne. Merci bien. On a aussi droit à la vie, on a le droit de jouir des richesses de nos provinces, on a le droit de voir des routes en bitume chez nous, on a le droit de voir des immeubles. On n'a pas seulement à attendre que quelqu'un vienne, n'importe quoi, même si on est en train d'inaugurer ou de repeindre un bâtiment grâce à la communauté internationale. C'est sous l'impulsion de je ne sais qui. Non, à un moment donné, soyons sérieux. Merci. Soyons sérieux. Donc, oui, allons tous aussi, nous réfléchissons et nous allons aussi proposer l'État, un État confédéral. Voilà. Mais toujours sous la République démocratique du Congo, mais avec sa souveraineté. Lorsque j'ai suivi les commentaires dans cette vidéo où Jean-Pierre interviewait Hervé Diakese, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis dans tous les sens. Voilà la balkanisation. Voilà, on va diviser le Congo. Non, le Congo restera un individu indivisible. Moi, je suis content et je vous avais dit que Hervé
a parlé effectivement d'une solution qui rétrocédera le pouvoir au niveau de la base. Et là, beaucoup de gens ont parlé. Non, bah, autochtones, moussoussou, bah, kozala, boye, et kozala division, tout ça. Mais c'est une réflexion. Hervé a tous les droits de réfléchir. Et cette histoire pourra être bien développée dans son parti et trouver peut-être comment est-ce qu'ils pourront y parvenir. Mais ça, c'est une idée géniale. C'est une idée qui se développe au sein de ce parti politique. Mais dites-moi, à part Hervé Diakese, qui va dans le sens même de notre constitution, où nous allons dans le sens de la décentralisation, parce que rappelez-vous que lors de la confection de cette constitution ici en Afrique du Sud, on parlait d'un processus qui devrait nous amener à la décentralisation et même au fédéralisme. Mais maintenant, Hervé lui parle de ce qu'il faudrait que nous ayons des États fédéraux. Le problème que moi j'ai constaté, c'est que les États fédéraux, c'est-à-dire que nous devrons à peu près avoir encore 11 provinces ou 6 provinces, et ces 6 provinces-là devront fonctionner comme des États fédéraux. Ça, c'est son point de vue. Mais moi, ici à Contact Pro Life, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que nous restons toujours avec les 26 provinces, et que ces 26 provinces resteront des provinces. Mais les provinces devront avoir cette autonomie, pas autonomie dans le sens où ils seront des... Non, ça sera pratiquement des provinces décentralisées, c'est-à-dire avoir une personnalité juridique à un certain niveau. Et comment nous le ferons? Nous le ferons dans une certaine mesure dans la rétrocession en faisant ce que nous disons ici, une décentralisation qui nous mènera finalement, lorsque nous aurons à déterminer qu'est-ce que les provinces auront à faire, qu'est-ce que les provinces auront comme relation vis-à-vis du gouvernement central, afin que les gens prennent en main leur destinée, afin que le peuple congolais puisse s'approprier de leur propre développement. Ici, nous disons comment? Nous avions promis depuis 2019, en disant au président Félix Tshisekedi, d'accélérer ce mode-là, au lieu qu'il y ait certaines confusions, c'est bien sûr dans la confusion, dans la constitution, où on ne sait pas, il y a des chevauchements de responsabilités entre les provinces et le gouvernement central. Et c'est par là où nous avions eu cette dérive-là, où le ministre le ministre de l'Intérieur a encore la même mise sur les provinces. Et les provinces dépendent toujours de Kinshasa. Nous n'avons pas toujours touché le fond du problème. Le problème, c'est que le peuple congolais devrait être capable de se prendre en charge au niveau même de la base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le peuple au niveau de la base devrait être capable de se dire qu'est-ce que nous avons en province? Notre sécurité est menée comment? Comment est-ce que nous pouvons avoir cette cohésion même au niveau des provinces? Comment est-ce que nous pouvons respecter les textes au niveau des provinces pour que les textes soient respectés au niveau du gouvernement central? Parce que en République démocratique du Congo, moi, ce que je déplore, c'est que nous avons un problème d'application des textes dont nous sommes convenus dans la Constitution. C'est ça le problème qui est le plus fondamental. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a de différence là-bas? Nous pensons que, et nous sommes en train de développer un mécanisme que le président Félix, tout en étant au pouvoir, pourrait implémenter, se dérober de toute cette influence, de tous ces vautours qui sont tout autour de lui, en lui faisant croire que non, lui, il est le Messie, il est l'homme à tout faire, il est le Dieu, il est le chef éternel. C'est cette chefferie-là dont nous avons qui a tué notre pays. Rappelez-vous, en faisant l'unitarisme à outrance, on a donné le pouvoir à un seul homme qui se trouve à Kinshasa. Et c'est cet homme-là, tous les Congolais devraient se retrouver en lui et devraient demander à ce que lui gère tout le pays par sa volonté. Et c'est ça qui a dérivé notre pays. Nous avons dérobé, donc nous avons arracher ce pouvoir-là au niveau de la base, afin que la tête puisse l'exercer sur toute l'étendue du territoire. Ça a échoué, mes chers amis. Et bonga quitté. Tile l'autre, ezako bongate. Alors, nous sommes dit, comment est-ce que nous pouvons y parvenir? Nous devons y parvenir
pas par des dénonciations que baïba ki boye, basala ki boye, basala ki boye, mais qu'est-ce que vous proposez? Et c'est là où je me dis, je suis content de ce que, ensemble aujourd'hui, par la bouche d'Hervé Diakès, je pense que cette réflexion et cette discussion-là continuent à être développées dans cette parti politique. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut s'inspirer en se disant, joignons-nous, on peut se joindre ensemble. Comment est-ce que cela peut être applicable? Moi, je déplore tout simplement que nous ne pouvons pas y aller d'un coup comme ça. Nous devons le préparer. Et c'est la préparation qui déterminera là où nous sommes entrés pour réaliser cette vision qui est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Hervé a parlé de ce qu'il appelle des États qui devront exercer leur pouvoir au niveau de la base, c'est-à-dire que les États ils seront pratiquement presque autonomes et il y aura certaines responsabilités qui seront tout simplement léguées au niveau du gouvernement central. Moi, ici, à Contact pour Life, nous disons ceci. Nous nous disons qu'il faut préparer cela. En préparant ça matériellement. Aujourd'hui, nous avons des guerres. Quel est le problème de ces guerres-là? Quel est Shida iko wapi? La racine de tous ces mots-là est où? Elle se trouve justement dans la cohésion nationale. Les provinces, les territoires, l'arrière-pays a été délaissé pour tout simplement diviser les quelques... donc s'approprier de cette richesse qu'il peut avoir dans les provinces et dans l'arrière-pays et qu'elle seule simplement peut se gérer. Et ça aboutit à ce qu'une classe politique tout simplement bénéficie. Nous avons vu que le travail ne se trouvait qu'à Kinshasa. Si vous étudiez dans l'arrière-pays, il n'y a pas d'université, ou bien c'est les universités qui sont là, mais elles sont, tous ces bons mondes-là visent à aller à Kinshasa. C'est ça que nous devons laisser, nous devons vraiment faire une cassure. Bah, université, bah, école, bah, tous ces cœurs qui se trouvent à l'intérieur du pays devraient d'abord servir, bah, tous ceux qui basent na bah, diplôme, wana, et servir, bango, na katia, bah, bituka, na bango. Et nous nous sommes dit, la rétrocession du pouvoir devrait se préparer comment? En faisant ce que nous appelons ici les états de lieux de chaque territoire. Dans les territoires, les gens qui se connaissent devront faire un ensemble dans les territoires, déjà au niveau de la base, un ensemble qui réfléchira. Pourquoi est-ce que nous nous battons ici? En Ituri, pourquoi est-ce que Toza Kobunda? Bandeko, bisogno so tout Toza ba Congolais, mais Toza Bunda pona nini? Nini angwezo sala keno ba kimuhibi eza ko continue. Est-ce que zali ke pouvoir wana eza na Kinshasa? Est-ce que zali ko contrôler ba territoire? Moi, je ne pense même pas que le rapport qui vient du territoire arrive à Kinshasa. Non, et comme akate. Même dans les provinces, les territoires ont été limités, les pouvoirs des provinces ont été limités à faire des petits arrangements, des marchés et tout ça. Mais le grand souci n'était pas la construction, n'était pas le développement. On ne peut pas gérer les commerçants dans les territoires. Les territoires sont gérés pratiquement même à Kinshasa. C'est pour cela que vous aviez vu, le président de la République nomme même les administrateurs des territoires. Et nous avions été à côté de cette constitution donc, que nous avions fait ici. Certes, notre constitution d'aujourd'hui connaît beaucoup de lacunes. La kinoane zanin, ba tuebele ba ye ba kayangote. La kinoane zaba chevauchement ba responsabilité entre ba province na gouvernement central. Beza la kanaba responsabilité ata mon côté. Vous aviez vu que lorsque Tozako tente korupe sa ba responsabilité na territoire, à chaque fois le gouvernement central balaye ça d'un pied, d'une main en disant que non. Bolingi Kolongola Mutuana Zamouibi, non, on a restauré. Les restaurations des gouverneurs a piétiné justement la décentralisation. Et les gouverneurs qui sont, peut-être, bon, présentement dans cette constitution, et les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Mais ils dépendent toujours de Kinshasa. Corruption, Zali, mécanisme, mon côté, Zali. C'est comme cela que nous nous sommes dit. Il est grand temps de changer. Et le changement doit partir d'une certaine conscientisation d'abord de la masse. Qu'on conscientise la masse, c'est ça qu'on a dit, ça va monter. Il faut être pratique. C'est comme cela que nous nous sommes dit, nous devons le faire dans le cadre d'un développement de 145 territoires qui devra être implémenté même au sein même des territoires. Les territoires devraient être dans une conférence, par exemple.
de 300 personnes. Nous, nous avions voulu à ce que ça soit 300 personnes. C'est ce que nous proposons. Que président Akoloba, na mandat Oyo Yadia Mibale, ou bien na mandat Liboso, parce que cette idée ici, nous l'avons lancée depuis 2019. Na mandat ya Liboso ya Félix Tshisekedi, nous lui avons dit qu'il faut d'abord chercher cette cohésion nationale. Cohésion nationale te ekoya kakaka koloba na bino bobunda te bovanda, il faut que ça soit pratique. Cohésion na ekoya ndengeni, il faut que batu ba signer par exemple ba autorité locale, ba signer ba memorandum par exemple que non na territoire na biso a to lingili susu mutute as atambolaka na ba arme blanche ou qui se proclame tout ça. Voilà le chemin où nous allons résoudre tous les problèmes économiques, savoir qui est qui dans nos territoires, pour que finalement dans l'ensemble du pays, qu'on sache que non, là-bas, basala kaboué, là-bas on produit du maïs, ici on produit quoi, dans tous les domaines, économiques, sécuritaires et tout ça, que les provinces ou les territoires soient capables de se défendre, et que bango va sentir benza que territoire est ya bango. C'est par là qu'il y a des choses comme on parle des autochtones qui doivent être conscients que non awezambo kanabiso biso mutozo dirigeango sur le plan culturel, sur tous les plans. C'est comme cela que nous sommes dit, les états des lieux pourraient être un acte d'engagement de tous les tribus de la République démocratique du Congo en un tout, en appartenance à cette République démocratique du Congo. Et ça devrait commencer où? Il fallait ebanda wapi ebanda na ba territoire. C'est comme ça que nous sommes dit, si nous appelons les états de lieu de chaque territoire, où le peuple congolais, au niveau de la base, pourrait se mettre d'accord dans les territoires en disant « Oh, ils ont beau cannabis, oh, ils ont beau cannabis, ils ont dit « Awa, tikuna, awa, circulation, batunini ango bazana kati, awa. » Quelles sont nos possibilités de développement dans les territoires? Batouana tango bakozala conscient que biso awa par exemple, richesse na biso ezali masangu, richesse na biso ezali or, les sous-sols, richesse na biso ezali la faune,
richesse na biso ezali boy batu baza la conscience et qu'ils peuvent être à mesure de gérer leurs propres économies qui est intégré effectivement dans un tout qui est la province et dans un tout qui est le pays la République démocratique du Congo batu tango bako s'approprier na eloko wana et ko changer makambo ebele. Pourquoi? Parce que il est facile de contrôler un projet qui se passe sur votre territoire parce que c'est pour l'intérêt du peuple qui habite là-bas. Bandeko, stade où est Tongami na Kinshasa et qu'on servir batu ya beni ndenge nini. Nous prenons que non, toko tonga bapo, koto tongi palais du peuple, on est sali sakamutu ya kasumbale sana nini. Si ce n'est que kaka likambo alokumu, kaka parce que nous avons une belle capitale, Kinshasa et tout ça, tout le monde voudra quitter tout ce territoire-là, aller à Kinshasa, là où il faut bien vivre. Mais il faudrait déjà consolider cette unité, cette cohésion, même au niveau des territoires, na katia ba territoire, wana, ba tribina, ba tubaye, ba nabalo, ba ka oyo, baza ba tu a kote na biso, aweze pa na biso, voilà mon konzi na biso, pa na biso yeyo, azana autant, azana budget a autant, o a jeraka, pona kosala ba plan de développement na katia territoire na biso. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je me dis, ça, ce que je suis en train, je m'inspire aussi des fonctionnements, par exemple, des États-Unis. Les États-Unis, ils ont dit, oh, presque, la loi, cela n'empêche pas que les autres qui ne sont pas de ces États-là, de venir s'installer dans ces États-là, parce que Moulouba, Oyo, a colli na Butembo. Azan a droit pratiquement à vivre na Butembo. Mais il faudrait qu'à se conformer na Babiloko ou Ezako le kana Butembo. On ne dit pas qu'on va chasser les gens d'ici de là. Non. Toko bengana moutoute na katia ba territoire na biso. Ou bien na katia ba ville na biso. Ou bien na katia ba province na biso. Mais il faudrait qu'il y ait un mécanisme d'intégration qui est mis en place où chacun va se sentir qu'il est libre de s'installer selon les lois de. Ngana ukiko banda kokende kolia mboate place obalia ka mboate. Excusez-moi le terme. Je ne suis pas en train d'entrer dans les discussions inutiles. Je ne peux pas aller commencer à faire du bruit place oyo par exemple makele les alakate. Batu bakobanda koloba oh non biso tozalaga na biloko te. Bakobanda ko tiabino bakona connotation oh batu wana basala kaboy. Biso tolingi bangote. Vous devez vous conformer à cette cohésion-là, il y a Batou, place Bazali. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Dans les territoires, les gens vont se mettre ensemble pour réfléchir sur quoi? Pour réfléchir sur leur sécurité, pour réfléchir sur leur économie, pour réfléchir sur leur développement. Il y a contraint à Bango. Quel est le réel problème qu'ils sont en train de faire face? Et comment est-ce qu'ils peuvent les résoudre? À ce moment-là, le gouvernement central n'a seulement autolobaki que notre président Sokito bandina nuna masolo, ba état de lié wana et salemi, tokope sa yango par exemple 3 mois ou bien semestre mobimba, pour que les gens puissent avoir effectivement ndenge nini ba yambani, ndenge nini ba yokani, ndenge nini ba signer ba protocole ya adhésion ya koloba biso. Baluba ou bien biso banande na kati ya territoire na biso a Lubero tolingili susu mutute oya koyaka aya ko tiap nani na biso sans que nous soyons bénéficiaires. Aujourd'hui les gens vous attendez des carrés miniers et tout ça. Ça bénéficie à quoi dans leur propre milieu où ils se trouvent? Bénéfice moko ezala kate bande konangai. Voilà ce que nous sommes en train de dire, que c'est là où nous pensons que vision oyo, il y a qu'on intégré batu, il y a qu'on soit cohésion nationale, il faut batuba vanda. Et c'est par là que nous nous sommes dit. La solution même pour les guerres à l'Est, le massacre à l'Est et tout ça, devrait être discutée au niveau même local. Na komi koyoka batu oyo ba M23 batu susu ba adere na M23 ba komi koloba to sa ba tongela biso eloko mon côté nous devons changer la chose les choses mais moi je peur que ce qui AFC oyeza koya awa eko ezwi bokonzi na ndenge ya mando ki lisusu ba bengani Tshisekedi ils vont reprendre encore la même chose. Et qu'on a la lissou kaka la même chose comme Afdel, et qu'on comme non, mboke za boe, mboke za divisé, et nous n'irons absolument à loin, nulle part. Toko kende si ka mon côté. A tout end a face, na yi unitarisme, nye tout kwa mou bandou yangu. C'est comme ça que je me suis dit,
tout même la bino ba réflexion oyo média oyo bande konanga eza média à réflexion et proposition ya ba solution tant que tozo kata la sima na biso lorsque nous regardons nos passés tant que tozo ta la place ni nango to outi ni nango to salate ba yemba yango to sala nini te qu'est-ce qui nous fait que awa na République démocratique du Congo ba train eza ko bongama eza ko tongama te. Comment est-ce que nous ne parvenons même pas à fabriquer des petites choses que nous continuons à importer? Comment est-ce que nous pouvons protéger nos marchés, par exemple? Dans le territoire, ceux qui ont consommé autant, nous pouvons maintenant faire la promotion de nous-mêmes en disant « Nandenge otoyi tozo produire masangu na territoire nabiso masangu koyaka kokota awate » parce que nous produisons sur place. Et là, nous protégerons notre économie et par là, nous pourrons maintenant essayer un peu de les gérer d'une façon catholique, d'une façon moderne. Et là, quoi nande naza ko insister na yango. Mais tout ça demande quoi? Ça demande une certaine préparation. Il y a un leader. Et le leader qui est maintenant, que tout le monde, même s'il a été voté d'une façon ou d'une autre, ce qui nous montre une capacité de réflexion d'amener le changement. Tout continue à et puis nous ne faisons absolument rien. C'est pour cela qu'au début, je vous dis, j'ai été vraiment émerveillé et surpris et content d'entendre Hervé Diaké en train de dire que non, mon cannabis, tout le cas, gestion moussoussou, Yako gérer Mboka, par exemple, dans les États indépendants. Moi, je ne suis pas pour cette idée-là, mais moi, je me suis dit, Yako koma kuna ndengeni. Il va y arriver comment? S'il n'engage pas le peuple congolais, ça ne doit pas quelque chose qui doit être imprévu, tokanisi. Non, nous devons préparer ça. Et cela nous demande du temps. Et zo sengabiso temps. Ça nous demande à ce que nous puissions préparer ces choses-là. Transition en Togokende Nango Ndengenini. Lui n'a pas parlé de ça. J'espère que dans d'autres émissions, ou bien au sein même de son parti politique, Bazako préparé Bazako Kanisakeno. Soki Tozui Bokonzi, par exemple, comment est-ce que nous allons faire? C'est pour cela que nous, ici à Contact Pro Live, nous proposons à ce que Ataba Ndenge Mokonzi Azolo Babo et Kako Solana ba M23T. Problème Nabiso et Rwanda, problème Nabiso et Zali, gestion interne, Yamboka Nabiso. Et là, ici, j'évoque encore un leader de Banande qui est Mboussa Nyamwisi, qui en avait parlé. Na ba session moko côté anani ya Tanzanie kumwa tangu bazonga ki pona ko silisa ba makambo eza ko salema na est. Mboussa a dit que non, le problème, c'est un problème interne. Là, j'étais d'accord avec Mboussa. Mais je ne sais pas si Mboussa s'est posé la question comment arriver maintenant à résoudre ce problème-là interne. Et atikala na epekaka ndengwana atikala kaka. Bon, je ne sais pas s'il en avait ici l'opportunité ya ko s'expliquer ou bien il a vu le président de la République. Peut-être charisme ona ya président de la République et empêcha qui est à développer à proposer mon konzi. Qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour na ko résoudre en interne tous ces problèmes là. Je ne sais pas s'il a, il avait une idée. Mais l'idée qu'il avait dit, la proposition, son observation, à l'oba qui tokozwa, lisa lisina libanda te. Notre salut devrait être venir de l'interne. Tozo kose la batouba makambu, tozo kose la Rwanda, tozo kose la oba américain. Les Américains ne vous ont jamais empêché de vous organiser en interne. Depuis 60, on n'a jamais, on vous a jamais. Ce qui va zakotchaka ba kalo nani tout ça c'est parce que la gestion interne n'était pas bonne. Ce qui tozo kende kosenga kabambongo libanda ba ko exiger biso ba makambo ba lobité pour que nous puissions vous aider. Voici ce qu'il faut faire ABCD tout en tenant compte ya ba intérêt na bango. Ça ne sera pas pour rien. Le Congo c'est un pays qui est sur au piédestal, ils ont vraiment la lumière à Batoukeno, Batounyo, surtout Balingi Congo, Balingi, ba minéral à Congo, ba minéral à Congo, Balingi, tout ce qui est intérêt na Congo. Mais ils ne sont pas là pour venir développer le pays. Le pays se développera par le petit miette que vous avez peut-être au boté, kaka, mbongo, anande, boré, distribution, nango, ils ont malamouté. Et c'est comme ça qu'ils en profitent.
Parce que vous n'êtes pas organisé à l'interne. Ils vont commanditer des rébellions, ils vont faire ceci. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que non, le Rwanda est derrière le AFC, tout ça. Nous sommes à Kolobama. Nous, on ne veut pas dénoncer ou quoi que ce soit. Concentrons-nous à nos problèmes, à résoudre comment est-ce que nous allons barrer la route à l'ennemi de l'extérieur pour venir nous déstabiliser en interne. Ce qui est extérieur et déstabilisé, c'est parce que nous ne sommes pas organisés en interne. Tout ça, la cohésion nationale, t'es. Qui m'ont eu bien l'équipe, tout n'a pas de soucis, mais ça, les conséquences, à l'extérieur, ça, qu'on profite, ça. Et nous avions dit ça depuis 2019 en disant le salut avec Tshisekedi, c'était qu'il puisse réfléchir d'une manière où, par exemple, à Koloba, tu réorganises un bon cannabis pour que Mouibi a cotaté. Mais biso moko déjà en interne, c'est Ozaba Mouibi. L'extérieur va nous déstabiliser. Nandenge moko ya pété. Mais si nous avions une cohésion nationale et un système qui fonctionne très bien pour l'intérêt du pays, n'a pas dit que Moutou Alibanda a déstabilisé Bissoté. On prend ce qui est tozui ba konzi o baza ko nous allons nommer en Amérique, ce qui est en France, ce qui est en Inde. Batouana baza ko sale la, oyo ba paya baza ko lobela bango. C'est ça ma peur aussi aujourd'hui avec l'AFC. Batouana baza ko sale sa bango pour ba conquérir ba territoire wana. Ba ko se défaire na bango ndenge nini. C'est là la question que nous devrons nous poser. Bref, bande konanga pe ona zala moulaite. Moi je pense que les 3 ans, 4 années qui restent au président Félix Tshisekedi, à moins que ce qui AFC et qu'on a vraiment malhéré que tous à la AFDL 2. Mais il est grand temps, il y a qu'on vende, il y a qu'on garde la proposition, et qu'on inclure la réclamation à M23. Et c'est ça la question fondamentale que je pose ici tous les jours en disant. Nous n'avons pas touché aux questions fondamentales. Il ne suffit pas tout simplement de réunir groupes armés. Bah. Vous avez une armée mais qui n'est pas capable d'assurer la sécurité de Nabiso. Parce que la cohésion nationale est alité. Nous ne sommes pas en contrôle. Nous ne sommes pas en contrôle. Nous ne sommes pas à mesure de nous contrôler nous-mêmes. Moi, mbongo to wiko zala nango tozo tcha mutu na mutu azo tcha ngona poche tout ça, ça ne sert pratiquement à rien pour la reconstruction du pays. Tozo kanisa ke non, Félix lui-même l'avait dit, il va faire des millionnaires. Ces millionnaires-là, pour l'intérêt de qui? Est-ce que mbo kanabiso ezako se limite ka nabatu? Ou bien ezako pour na pays autokotike la bana nabiso, autokotike la barrière pays nabiso, barrière aux enfants nabiso. Lelo obiso toza na bamboka oyo. Si ces gens-là qui ont lutté pour que ce pays soit tel qu'il est aujourd'hui, pensaient à leur poche, na banzite que toki ko koma na ba moment o mboka o ezali, mais parce que on a mis l'intérêt du pays en avant. Mais chez nous, on prend les Congolais en disant vous serez des millionnaires. Et ces millionnaires-là, au lieu de construire la République démocratique du Congo, bazozo mbongo bazoke nenango libanda. Là où les instructeurs ou le maître na bango bazali, yiba kuna ya kotonga nonda ko awa, nous allons assurer ta prospérité ici ailleurs. Et mboka na yonde komi bilanga na yo. Oke kolona kuna, obuki oye kokoli a koto. Ça ne va pas. Alors, Nakosuka awa en disant encore une fois de plus, si tu es toujours là, continuez à vous abonner sur cette chaîne parce que nous apportons des réflexions qui peuvent inspirer le parti politique au Iriabiso. Que le parti politique ne soit pas là pour conquérir le pouvoir. Pour en faire quoi de ce pouvoir-là? C'est là la grande question. Pour en faire quoi? La question, c'est que le pouvoir puisse servir le peuple. Et là, nous proposons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour que le peuple déjà au niveau des territoires baye bakako se contrôler baye bakambongo combien bazwaka bazo gérer qui fait quoi dans leur territoire, qui est qui dans ce territoire. Alors quand nous appellerons les états des lieux de chaque territoire, quelles seront les discussions na kati ya ba constitution na chaque territoire? Il y aura une discussion sur une nouvelle constitution yangwana na lobby. C'est par là qu'on pourra par exemple discuter
comment est-ce que ba institution nabiso ou bien format à l'état nabiso ekozala soit fédéralisme soit décentralisation, c'est par là que tout le monde s'exprime. Bandeko, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment est-ce que nous pourrons terminer l'insécurité dans les états de lieu de chaque territoire. En tout cas, continuez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Continuez à nous appeler, continuez à laisser des messages, que cela puisse amener à cette cohésion nationale où les Congolais se connaîtront, les Congolais connaîtront leur pays. Voilà, mes chers amis, merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. J'espère que nous sommes toujours dans le bon, parce que ce que nous faisons ici, nous regardons dans l'avenir de notre pays. Tozota l'avenir en Mboka Nabiso. Tozota la sima, en nous inspirant de notre histoire pour que tout corrige présent. Voilà, on se retrouve donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.